lights so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey yo tout le monde, c'est Sweater0 et on se retrouve pour l'unboxing de ma Nintendo Switch. Donc comme vous le voyez à l'écran, la Nintendo Switch, voilà ma Nintendo Switch que j'ai reçue hier, au moment où je fais cette vidéo, hier, voilà. Et le jeu Pokémon Épée avec, que j'ai reçu avec, qu'on va également déballer. Et ceci, qui est tout simplement la petite sacoche de la Nintendo Switch. Donc on va ouvrir tout ça aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Puis écoutez, je crois qu'on va, tout de suite commencer la vidéo sans plus attendre. Alors petite précision, quand même, juste avant de commencer, petite précision, je précise que c'est la deuxième version, voilà. Alors attendez, hop, le focus, voilà, c'est la deuxième version de la Switch. Donc XK, c'est le numéro de série en fait, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la deuxième version. Donc là, vous allez me dire, mais Sweater, pourquoi tu nous montres le numéro de série? Pourquoi tu nous montres ça? C'est chelou. Mais non, en fait, ça a beaucoup d'importance. C'est parce que c'est une nouvelle version de la Switch, voilà, que j'ai eue. C'est la deuxième version, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a une Switch V2, voilà, qui a plus de batterie, ou d'autonomie, si vous préférez, qui a plus d'autonomie que la première version. Donc, du coup, je pourrais y jouer plus longtemps sans me soucier de la batterie. Eh bien, c'est tout simplement celle que vous avez en ce moment sous les yeux. C'est la Switch V2 qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Bien évidemment, c'est celle que je voulais. Et c'est une Switch qui est très, très récente puisqu'elle date de fin août 2019. Donc, ça va, elle est vraiment pas... Elle date pas, quoi. Franchement, elle est récente. Donc, on ouvrira également ceci. Coucou Zacian, voilà. C'est Zacian qui est sur la boîte. C'est le Pokémon légendaire de Pokémon Épée. Et on ouvrira également ceci. Voilà, donc ça, c'est la petite sacoche pour la Nintendo Switch. Voilà, et bah écoutez, je crois qu'on est fin prêt. J'espère que vous êtes prêts pour ce petit unboxing. Alors, je précise quand même que la vidéo n'est pas sponsorisée. Bien évidemment, cet unboxing n'est en aucun cas sponsorisé. Je ne suis pas payé, bien évidemment. Voilà, c'est pas du tout sponsorisé. Allez, écoutez, on commence par quoi? On va commencer par quoi? On va commencer, bon, on va évidemment, on va se garder la Switch pour la fin, hein, quand même, le plus intéressant. Bon, on va ouvrir ça. On va d'abord ouvrir Pokémon Épée, je pense que ça va être le moins galère à ouvrir. Alors, pour ceux qui se demandent comment je vais faire pour tenir mon portable et ouvrir en même temps, la réponse, je ne vais pas tenir mon portable. Voilà, je vais ouvrir le jeu. Alors, j'ai tout prévu, hein. J'ai prévu un ciseau si je n'arrivais pas à ouvrir. Alors, hop, on va commencer par ouvrir ça. Alors, on fait avec ce qu'on a, hein. Donc je vais essayer de faire comme je peux. Voilà. Donc, on ouvre ça. Voilà, je vais pouvoir vous montrer la boîte, hein. Tac. Voilà, donc là vous voyez que bon, je sais pas si vous voyez la différence, il n'y a plus de scotch. Voilà, il n'y a plus de scotch. Le scotch, enfin, c'est pas vraiment du scotch, c'est du papier. Hein. Le papier n'est plus dessus. Voilà, voilà. Donc le dos de la boîte se présente comme ceci. Voilà, pour ceux qui veulent lire. Une nouvelle aventure incroyable avec les Pokémon. Emparez-vous du titre de maître. Ah là là, je suis content de... Franchement, je suis vraiment content d'avoir reçu ces Switch, parce que grâce à ça, je vais pouvoir continuer à suivre la série Pokémon. Pour l'anecdote, que je suis depuis la Game Boy Color. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je la suis depuis Pokémon Crystal, la série. Ouais, ça remonte à pas mal, ça remonte à 2000, voilà. Non, attendez. Pokémon Crystal, je sais plus c'est en quelle année. Ça doit être vers les années 2003-2004, par là. Je pense que c'est par là, Pokémon Crystal, hein. Donc, puisque Pokémon jaune, si je ne m'abuse, c'est 2000. Pokémon or et argent, ça va être 2001. Et allez, Pokémon Crystal, c'est 2003. On va dire 2003 ou 2002. C'est soit l'un, soit l'autre, je pense. Et aujourd'hui, on se retrouve devant ce magnifique jeu. Alors, je vais éviter de trop bouger. Devant ce magnifique jeu Pokémon Épée. Voilà, le voici, le voilà. Pokémon Épée, qui est sorti le 15 novembre 2019.
en Europe et d'ailleurs en international, c'est-à-dire partout dans toute la France. C'est la première fois en fait qu'un jeu Pokémon sort en même temps pour tout le monde. Écoutez, moi ce que je propose, c'est que je vais vous montrer la cartouche. Alors, donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Je découvre avec vous, hein, je ne sais absolument pas. Alors, ok, on a. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est la carte. Oh putain, c'est stylé. C'est la carte. Et là, on a obtenu un Mew spécial capable de gigamaxer. Wow! What? Rien que ça. Ok. Et là, on a le jeu. Voilà. Donc, c'est du format cartouche. Comme la Nintendo 3DS. C'est du format cartouche. On va. Hop, voilà, c'est bon, je l'ai enlevé. Allez, le focus, attention. Tu veux pas te faire? Bon, bah, on ne verra pas en détail. Si je te mets là. Ah, là, ça va, là. Voilà, donc là, on le voit très bien. Donc, Nintendo Switch, Pokémon Sword, voilà, c'est magnifique. Et on a du coup le petit Miaouss. Et une notice, c'est ça? Non, c'est quoi? Avant toute chose, voilà, une notice. Ok. Donc là, je trouve, franchement, je trouve la boîte magnifique. Je sais pas pour vous. Oh, allez, franchement, elle est trop belle. Ah, j'adore. Franchement, super. Super boîte. Y a rien à dire. Donc là, on a du coup un petit Miaouss Pokémon.fr épée bouclier. Donc, obtenez un Miaouss spécial capable de gigamaxer. Recevez un Miaouss pouvant gigamaxer dans votre jeu Pokémon épée ou Pokémon bouclier. En plus de gagner en puissance, ce Miaouss change d'apparence quand il gigamaxe. Alors, pour recevoir ce Miaouss gigamax, suivez ces instructions. Lancez votre jeu Pokémon épée ou bouclier. Sélectionnez cadeau mystère dans le menu principal. Sélectionnez recevoir un cadeau mystère. Sélectionnez via Internet puis oui pour sauvegarder votre jeu et vous connecter à Internet. Confirmez le cadeau que vous voulez recevoir. Le cadeau est transféré dans votre jeu. Les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou votre boîte Pokémon. Les objets apparaissent dans votre sac. Et enfin, n'oubliez pas de sauvegarder votre partie. Ah oui, ce serait bête, hein. Si tu sauvegardes pas ta partie, je pense que le petit Miaouss qui est tout content ici, il va se retrouver à l'autre bout en fait de la Terre. En fait, il n'existera pas dans votre jeu. Bon, ça va, il n'y a pas eu trop de soucis pour l'instant. Parce que je ne sais pas si vous connaissez mes talents pour ouvrir des choses, je ne suis pas très doué. Bon, ça va, pour l'instant, on a réussi à bien ouvrir. Bon, c'était le moins galère. Ensuite, on passe à la sacoche. Et franchement, je le redis, je trouve que le jeu, il est super beau. Hein. Il est vraiment super beau. La petite boîte Pokémon épée est super belle. Alors, j'ai prévu. Alors, bien évidemment, j'utilise un ciseau. Hein, je suis pas non plus à ça près. Donc, je pense que là, la sacoche, ça va être les premières galères. Très probablement. Alors, je vais. Si vraiment je galère trop, je vais utiliser le ciseau. Hein. Manière. C'est pas grave si je l'ai. C'est ça qu'il faut pas filmer. Ah, ça y est, ça vient, ça vient. C'est bon, enfin, c'est bon. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, voilà comment ça se présente. La Nintendo Switch, bon, j'ai un petit peu galéré, ça a duré quelques minutes, mais bon, ouais, grâce à la magie du montage, pour vous, ça n'a duré que quelques secondes. Mais voilà. Alors, là, voici la petite sacoche de la Nintendo Switch. Voilà, elle est classique, noire. Donc, eh bien, écoutez, on va tout de suite l'ouvrir. Alors, on va tout de suite l'ouvrir si j'arrive à défaire ça, parce que ça, je sais aussi que c'est galère à défaire. Au pire. Attendez, au pire, je vais prendre un ciseau. Voilà, le petit bruit que vous avez entendu, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Yes! Ok, donc là, alors, la petite sacoche, donc, vous entendez que je suis en train de l'ouvrir. Elle se présente comme ça. Oh, il y a un petit papier dedans. Voilà, il y a un petit papier d'ailleurs dedans. Donc la sacoche se présente comme ceci. Je vais vous faire la petite vue d'ensemble. Voilà, la petite vue. Donc la sacoche, elle est comme ça. Donc vous voyez qu'il y a mon ciseau. Hein. Voilà. Donc la petite sacoche se présente comme ça. Là, on a un petit papier. Je vous montre le petit papier qu'on va aller lire. Donc la sacoche est classique. Elle est noire. Il y a du poly... C'est du polystyrène, ça?
J'ai l'impression que c'est du polystyrène. C'est très bien ça pour ranger ces jeux Switch. Voilà la petite sacoche que j'ai achetée à part, hein, je tiens à le préciser. Je l'ai achetée à part, elle n'était pas vendue avec la console, évidemment. Il y a toujours le petit jeu là, Pokémon épée. Le petit jeu qui n'attend que d'être joué, regardez, je veux être joué. Non mais c'est ça. Bon, allez, on va vous lire. Alors, on va lire ça. On va lire ça parce que ça n'a pas l'air d'être très long. Alors, si le focus veut bien se faire, normalement ça devrait le faire. Allez. Allez, allez, je crois en toi, petit appareil. Non? Non, tu veux pas. Tu veux pas te faire. Non? Non, ça t'intéresse pas? Ah. Ah là, on arrive à peu près à lire. Le support de visualisation. Ouais, bon. Je crois que tu n'arriveras pas. Attends. Et si je te mets comme ça? Ça va mieux? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On va tenter. Ah, si je te mets comme ça. Non? Non? Non, tu veux pas? Bon, bah. Bon, c'est pas grave. Je vous lis quand même ce qui est marqué. Alors, le support de visualisation peut être réglé à l'angle de vue souhaité, brevet américain et étranger en attente. Bref, voilà. Bref, bon, bah, le focus ne veut pas se faire, hein. Ah le focus ne veut pas se faire. Bon, c'est pas très grave. Alors, donc, du coup, voilà. La sacoche se présente comme ceci. Alors, attendez. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, attendez, attendez. Wow! Ah ouais, elle se déplie comme ça! Regardez-moi ça! Ouais. Oui. Ah oui, elle est. Ah oui. Oui, c'est pas de la merde. Et là, on a une plaque de. Ouah! Ouah! C'est quoi ça? Oh, c'est pour ranger mes cartouches. Non? C'est pas ça? Est-ce que vous croyez que c'est pour ranger mes cartouches? Ouah, la classe! Oh là là! Oh la classe, toi! Regardez-moi ça! C'est une plaque de poly. Ouais, c'est du polystyrène. Enfin, c'est du polystyrène, ça, on est d'accord. Et ça? Pour nettoyer l'écran, j'imagine? Je sais pas. Non, j'en sais rien. Ouais, mais c'est stylé! Franchement, c'est grave stylé! Waouh! Alors, attendez, est-ce que ça s'ouvre ce truc? Est-ce que ça s'ouvre? Oh. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que oh oui, c'est pour ranger mes cartouches. Oh oui, c'est pour ranger mes cartouches. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, c'est pour ranger mes cartouches. Regardez, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Hop, c'est pour ranger mes cartouches. C'est pour ranger mes petites cartouches. Mes petites cartouches de jeu. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors attendez, mais du coup, croyez que ça. Est-ce que vous croyez que ça passe? À moins que. Alors, je sais pas si ça passe comme ça. Non, il faut que je la mette là-dedans, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Ok, ça va être dur à ouvrir. Ouah, c'est compliqué à ouvrir ça. Ça va être compliqué. Je vous montre ce qui est dur à ouvrir. Hein. Ça. Ça, attendez. Voilà, ça. Ça va être compliqué à ouvrir. Attendez, attendez, attendez. Oh, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Mais je sais que ça. Vous voyez, ça va avec. Et le deuxième. J'en ai deux. J'en ai une par cartouche. Vous voyez ça là? Le petit truc là? C'est pour ranger ça. Voilà. C'est pour ranger le petit jeu. Hey, t'en vas pas. Attends. Hey, oh. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'était pour la sacoche. Putain, je suis vraiment content. Franchement. Franchement, ça fait plaisir. De vous présenter ma Switch et ce qu'il y a avec. Il y en a certains qui ont été chauds et tout pour je vous ai demandé sur Discord si vous étiez chaud et tout, si vous étiez toujours chaud. Et ben, je me suis réjoui quand j'ai vu que vous étiez toujours chaud les amis pour l'unboxing de cette fabuleuse Switch. Alors, je suis désolé hein, pour tous les moments de noir.
mais je ne peux pas tenir le téléphone en même temps. Voilà, c'est bon. Voilà, donc la Switch, enfin la sacoche de la Switch se présente comme ça. Voilà. Donc elle est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, elle est classique, simple, ce qu'on aime, quoi. Voilà. Ok, bon, la plaque de polystyrène, on va la mettre là, MDR. Ok. Bon, alors, et bien évidemment, vous l'attendiez avec impatience, mais bon, je voulais vous le garder ça pour la fin. C'est quoi ça, FL? Ok. La fameuse Nintendo Switch. Ça y est, la voici, la voilà. Je vais l'ouvrir maintenant. Voilà, je vous le dis, je vais l'ouvrir maintenant. Viens par là, toi. Ok, donc là voici, voilà, la grosse bête, la Nintendo Switch, console de chez Nintendo, voilà, la dernière console, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la première version, c'est la toute première version. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre ce contenu, et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Alors, on va déjà commencer par ouvrir ce qu'il y a sur le côté. Alors, moi, je vous le dis... Pour ouvrir les boîtes, je suis un galérien. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais il y a la magie du montage. Heureusement, si je galère trop, ce sera tant pis. Hein. Alors, j'imagine qu'elle s'ouvre comme ça, parce que là, il y a une sorte d'embout ici. Mais elle est simple à ouvrir en fait. Oh mais c'est tout simple. Attends, je l'ouvre correctement là. Ouais, ça doit être bon. Ouh là 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 là. Oh là là là. Ok. En fait c'est bon, elle est toute simple à ouvrir. Très simple à ouvrir, franchement. Voilà, elle est déjà ouverte. C'est bon, la boîte est ouverte. Hein. Très très simple à ouvrir. En fait, franchement, je pensais galérer, mais j'ai pas du tout galéré. Voilà. Donc l'intérieur de la boîte se présente comme cela. Comme ceci, les amis. Donc voilà. Alors, on commence par quoi? Côté gauche? Ouh, j'ai l'impression qu'il y a des câbles hein, côté droit. Et c'est quoi ça? Wow, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? C'est un capteur ça, non? Putain, ça me fait penser au... Vous savez le capteur de la Wii là? Je sais plus comment on l'appelle. Non, c'est pas une Kinect, hein. Je crois qu'on l'appelait le capteur Wii en fait. Vous savez le capteur Wii que vous pointez vos Wiimotes dessus et du coup ça réagissait. Putain, ça me fait penser à ça. Alors bon, allez, on va ouvrir la Switch en dernier, hein, quand même. Faut laisser le suspense. Alors donc ça a l'air d'être un câble HDMI, je crois, un câble HDMI sans doute. Alors on va ouvrir ça. Alors, on commence par la partie câble. Hein. Bien évidemment, on est tous d'accord, hein, la partie la moins intéressante. Alors, donc, le câble se présente comme ceci. Donc, je vous le montre. Voilà le câble. Donc, il est tout neuf, hein, bien sûr. Faut pas déconner. Voilà. Alors, ça, c'est le câble HDMI, soit... C'est peut-être un chargeur à part qu'on peut brancher à la Switch. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci. Mais bon, moi, je n'ai jamais eu de Switch. On ne va rien avancer. Hein, on ne va rien avancer. Je n'ai jamais eu de Switch. Alors, je dis ça parce que ce n'est pas écrit câble HDMI. Voilà pourquoi. Ce n'est pas écrit, vous voyez, que ce n'est pas... Il n'y a pas de... Même si le focus ne se fait pas trop, je vous le dis, hein, il n'y a pas de câble HDMI. Ce n'est pas écrit HDMI dessus. Vous voyez que c'est écrit Nintendo, je ne sais pas si vous voyez. Alors attendez, hop, on va essayer de bien mettre ça comme ça. Voir Nintendo. Vous voyez qu'on a... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais... Ah, là on voit à peu près bien. Vous voyez que c'est écrit... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est à peu près... Enfin, bon, c'est à peu près net, mais bon. Comme le logo est noir sur du noir, on ne voit pas trop bien. Bon, bref, c'est écrit Nintendo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a ce qui me semble être... Ok, donc ça, c'est le câble HDMI. Ça, voilà, ça, c'est le câble HDMI. Ça, c'est probablement un chargeur. Voilà, pour la Switch, je suis quasiment sûr et certain.
Ça, c'est le câble HDMI. Pourquoi? Parce que c'est écrit HDMI dessus. Hop, on va tout de suite le sortir. On va le sortir de sa boîte. Ça, c'est le petit câble HDMI qui passe crème. Bon, le câble se présente comme ceci. Je vous présente tout. Hein. C'est un unboxing, donc je vous présente tout, tout, tout. Le truc là que je n'arrive jamais à retirer. Je galère toujours. Mais voilà, donc le câble se présente comme ça. Comme ceci. Voilà, le petit câble HDMI que je pourrais notamment brancher à ma télé. Oui, il y a un bonnet, oui. Oui, il y a une Xbox One S, oui. Et donc le câble, je pourrais notamment le brancher, pourquoi pas ici. Enfin, derrière, quoi. Voilà. Pourquoi pas. Donc voilà, le câble se présente comme ceci. Donc c'est le câble HDMI, hein, rien de plus basique. Ensuite, on a quoi? On a Nintendo Switch. On a des informations. On a un papier informatif pour la Nintendo Switch. Et on a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on a autre chose. Mais c'est plus... Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va... Hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, que ça, que ça? Alors, je vous montre. Alors ça n'a pas l'air d'être la Switch, mais on a l'air d'avoir quelque chose là-dedans. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et donc, c'est le support de recharge pour les manettes, voilà. Pour les Joy-Con, bon. Ou les manettes Pro. Je crois que c'est plutôt pour les manettes Pro. Enfin, je suis pas sûr, je m'avance à rien. Ou je crois que c'est pour... En fait, c'est... Vous savez, les Joy-Con, vous pouvez les emboîter. Vous pouvez les emboîter, moi je le sais, hein, même si j'ai jamais eu de Switch. Et je crois qu'en fait, c'est pour jouer en fait dessus. C'est un support pour, quand vous emboîtez les Joy-Con, ça crée en fait une sorte de manette pro, quoi. Et ben, je crois que c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Ok. Donc, on a le support qui est vendu avec. Oui, il y a des grips. Voilà. Oui, il y a des trucs pour accrocher, là. Je sais plus comment on appelle. Voilà, voilà. Vous les voyez bien. Il y a des trucs pour accrocher, vous voyez. C'est ce que je vous disais. Ok, donc ça doit être pour ça. Ça doit être très, très certainement pour ça. Ensuite, oh là là, est-ce que c'est la Switch, ça? Est-ce que c'est la Switch? Est-ce que vous pensez que c'est la Switch? Est-ce que vous pensez que c'est la Switch, ceci? Eh ben, on va le savoir. Attention. Attention, les amis. Attention. Attention. Est-ce que c'est la Switch? Est-ce qu'on a devant nous la Switch? Ah, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. On ne le sait pas. Hop. Et vous pensez que c'est la Switch? Eh ben non. Eh non. Vous voyez? Eh ben, je sais pas si ils avaient tout prévu, c'est qu'ils m'ont acheté le truc, mais ils me l'ont mis en dessous. Voilà, comme ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on va voir dans cette vidéo. On clôture cette petite vidéo unboxing bah, par tout simplement la console elle-même. Donc ça, c'est la tablette, je crois, ou non, c'est pas la tablette, c'est le support ou un truc comme ça, c'est un nom, mais bon, comme j'ai jamais eu Twitch, je ne sais plus. Donc ça, en fait, c'est tout simplement pour mettre votre Switch dedans, et ça la charge. Mais du coup, en fait, je sais pas à quoi il sert l'autre câble là-bas. Du coup, voilà, faudrait que j'aille ça. Faudra que je voie ça, et puis voilà. Donc voilà, donc ça c'est je sais pas si c'est la tablette, ça importe un nom ça, mais je sais plus c'est quoi. Et voilà, Nintendo Switch. Donc on le voit le logo, donc c'est du noir sur du noir, ça va, on arrive à peu près à le distinguer, vous voyez, avec le petit logo. Ah, moi j'aime bien quand le focus il se fait bien, tu vois, les choses se font bien. Voilà, donc ça c'est le support de recharge ou la tablette, je ne sais plus. Et là, bah vous l'avez deviné, hein. On passe à la Switch. Ah ah! Le plus intéressant. Hein. Le plus intéressant. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on découvre ça maintenant. La Switch se présente comme ça. Donc, la Switch, elle est là. Voilà. Donc, l'écran est ici. Voilà. Il est emballé. Les Joy-Con. Voilà. Joy-Con bleu, Joy-Con rouge. J'ai pris la couleur standard hein, de la Switch. La couleur emblématique de la Nintendo Switch. Donc, du bleu néon et du rouge. Et la petite tablette 720p, voilà. Je me suis un peu renseigné.
720p, donc c'est du HD. Eh ben écoutez, on va ouvrir ça. Ah, je suis trop impatient. Je sais même pas combien. Je sais même pas à quel point je suis surexcité là. J'ai trop envie. Est-ce qu'on ne testerait pas dans cette vidéo si la Switch fonctionne bien et tout? Est-ce qu'on ne testerait pas? Eh, je crois qu'on va. Vous savez quoi? Je crois qu'on va tester. Alors attendez. Attendez, attendez, on va s'avancer à rien. Donc, on va tester. On va tester et si elle a besoin de recharger, bon bah tant pis, on abandonnera. Et si elle n'a pas besoin de recharger, bah écoutez, je vous propose qu'on allume la Switch. Voilà, maintenant là. Et qu'on la teste dans cette vidéo. Juste, pas tester pendant 20 minutes, hein, genre juste l'allumer, voir le menu, c'est tout. Hein. Enfin, oui, c'est tout. C'est juste pour voir si elle marche bien, si elle s'allume bien. C'est tout, c'est uniquement ça. Donc ça se présente comme ceci. Ouais, vous sentez que je suis excité. Hein. Ah, mais c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai toujours aimé la licence Nintendo. J'ai toujours bien suivi. J'ai toujours aimé Pokémon. J'ai 15 ans aujourd'hui. Hein. J'ai 15 ans. J'aime toujours Pokémon. Hein, et je pense que ça ne changera pas d'ici là. C'est la génération maintenant. Hein, c'est la génération du numérique, la génération des jeux vidéo. Et moi, vous savez que je suis très 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 enfin très friand, voilà, je crois que c'est le mot. Très friand de ce genre de console et j'adore en fait, j'adore. Et c'est le mot, hein, j'adore Nintendo. Et je remercie pour le travail qu'ils font. Et là, on l'a sous les yeux, la dernière console de chez Nintendo. La Nintendo Switch, elle est magnifique. Hein, la tablette, forcément, elle est toute neuve. Magnifique, tellement, vous voyez que tellement elle est magnifique, vous voyez là. On voit ma main. Oh, je vais me reculer parce que sinon on va voir ma tête. Vous voyez que elle est tellement propre, l'écran est tellement propre que il réfléchit la lumière. Vous voyez que c'est assez incroyable. Et on a du coup les Joy-Con, donc le Joy-Con bleu qui est magnifique, et on a le Joy-Con rouge. Voilà le petit Joy-Con rouge, magnifique. Écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on insère les Joy-Con dans la console. Alors, je ne suis pas un professionnel, j'ai jamais eu de Switch. On va tout de suite voir comment ça s'insère. Alors, comment ça se met? Alors déjà, on va essayer de les mettre à l'endroit. Donc, j'imagine que c'est dans ce sens-là. Il y a de fortes chances. Je crois que ça s'emboîte. Ah! Ah! Alors, est-ce que ça s'emboîte bien comme ceci? Alors, les petits bruits que vous entendez, c'est quand je mets les Joy-Con. Ok, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Franchement, je m'en sors bien, je suis content. Voilà, donc, alors, je vais vous mettre le téléphone comme ça pour vraiment bien que vous visualisez. Hein. Voilà, donc ça rend comme ceci. Voilà, la petite Nintendo Switch, on la reconnaît avec ses deux petites Joy-Con. Donc, je crois que c'est bon, hein, je les ai mis du bon endroit, je les ai mis au bon endroit. Donc, voilà, la petite tablette, le Joy-Con bleu à gauche et le Joy-Con rouge qui est à droite. Et maintenant, le plus intéressant. Est-ce qu'il va falloir la charger? La question, on va la savoir tout de suite. Donc, je crois que pour l'allumer, non, ce n'est pas ici, c'est au-dessus, je crois. C'est au-dessus. Parce que j'ai déjà vu des switches. C'est là. Vous voyez, le petit bouton. Vous voyez que c'est. Alors, je vais vous mettre ça à la lumière. Je sais pas si on va bien voir. Mais il y a le petit bouton. Hein, pour ceux qui ont des switches, vous le savez. Il y a un petit bouton, vous voyez. C'est un peu noir, donc je sais pas si, non, je sais pas, je pense pas que vous verrez. Et le petit bouton pour l'allumer, il est au-dessus. Donc, écoutez, on va presser le bouton et attention. Et elle s'allume, elle s'allume. Est-ce qu'il va falloir la charger? On va le savoir, on va le savoir. Nintendo Switch, voilà, la voici. Elle s'allume. Donc, c'est bien évidemment la première fois que j'ai une Switch et la première fois que je l'allume. Oh! Oh, Komaiwa! Une Chine de loup. In Chine de loup. Alors moi je suis français, hein. Je ne suis pas anglais. In Chine de loup. Région Europe. Non, je rigole, je suis américain. Non, je suis européen. Je suis européen. Wow. Information importante. Oui, suite. Recherche de réseau. Ah bah va falloir que je mette le réseau. Bah voilà. Je pense que là on est bon. Bon, du coup vous allez voir mon réseau, mais c'est pas très important. Voilà, et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo unboxing. On a vu que la petite Switch marchait
correctement. Voilà, elle s'allume. Donc ça veut dire qu'il va pas vraiment falloir besoin de la charger, mais je pense que je la chargerai tout de même. Donc regardez-moi tout ce gros bordel, j'ai envie de dire, voilà, ce gros bordel de l'unboxing de ma Switch. Donc on a tout ouvert, hein, il n'y a plus rien. On a tout ouvert. Bah écoutez, j'espère que cette grosse vidéo, parce que c'est quand même, je pense que cette vidéo durera à peu près une vingtaine de minutes quand même, c'était une bonne vidéo. Cette bonne vidéo unboxing de ma nouvelle Nintendo Switch, et donc c'est la première fois que j'ai une Nintendo Switch entre les mains. Donc vous voyez bien que c'est l'édition standard, hein, c'est pas la Lite, c'est bien la Nintendo Switch normale, hein, c'est pas la Lite. On la voit quand même, hein, avec les petits Joy-Con, tout ça. Donc cette nouvelle console hybride de chez Nintendo que j'ai reçue hier, hein, je le redis, au moment où je fais cette vidéo, hein, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai reçue hier. Donc je suis vraiment super content, j'ai trop trop hâte d'y jouer. Là juste après l'unboxing, bah je vais y jouer bien évidemment, hein. Bien évidemment que je vais y jouer. Donc voilà, et bah j'espère en tout cas que cette vidéo unboxing vous aura plu. Je m'excuse encore, hein, des moments de noir, hein. Je ne peux pas tenir le portable en même temps que j'ouvre les contenus des boîtes. Et donc je m'excuse de ça. Voilà. Et ben en tout cas, allez, moi je crois que je vais vous laisser pour cet unboxing. Hein, je pense que je vais vous laisser là. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour cette vidéo IRL, parce que, hein, n'empêche, hein, c'est ma chambre, hein, vous la reconnaissez, hein, vous la reconnaissez. C'est ma petite chambre, cette petite vidéo IRL. Voilà. Là, on a le dehors. Le petit dehors MDR. Bref. Bref, bref, bref. Allez, moi je vais vous laisser pour cette petite vidéo, ou même cette quand même une bonne vidéo unboxing. Cette bonne vidéo unboxing de ma nouvelle Nintendo Switch de chez Nintendo, plus du coup de ma sacoche et du jeu Pokémon épée. Le petit Zacian. Zacian qui est, je rappelle, le Pokémon légendaire de Pokémon épée. Et Pokémon bouclier, c'est Zamazenta, si je ne m'abuse. Voilà, je suis un petit peu informé, je me suis un peu spoil, mais bon, j'ai quand même, je me suis pas trop spoil non plus. Je connais un peu le début du jeu, bref, 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 voilà. Je vais pas vous raconter ma life. Voilà, je me suis spoil ce que je me suis spoil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous laisse pour cet unboxing de ma Switch. À plus tout le monde. Destiny, Pokemon, oh, you're my best friend in a world we must